Les dernières neiges d'avril de David Cardavé-Bort chez Cardavé Book Édition. Extrait. Scène première. L'homme lit à haute voix ce qu'il écrit à mesure qu'il l'écrit. L'homme désespéré. 19 avril 2022. J'ai passé 23 années de ma vie à courir désespérément après le fantôme d'une jeune femme que j'ai aimée. À courir, dis-je? Non, pas à courir. Je raye, je biffe, je corrige. À traîner derrière cette pauvre fille, ma carcasse laide de paumée pathétique. Derrière elle, dis-je? Non, pas derrière elle. Je raye, je biffe, je corrige, derrière son souvenir. Comme une ombre lourde, comme un ombre à relou, comme une tache sans accent circonflexe qui s'attache et jamais, au grand jamais, hélas, trop fois hélas, ne se détache. J'étais laissé partir, jeune amoureuse, sans trop te retenir. Et j'ai pleuré, pleuré. Toutes les larmes de mon être, seul dans mon coin, mais j'ai pleuré très fort. Bien assez fort, en tout cas, pour que tu puisses entendre mes jérémiades transpercer le silence opaque des soirs de ma désespérance. J'ai chialé sur d'innocentes épaules, mais savamment sélectionnées, pour que les têtes correspondantes fussent assez proches de toi pour te parler de moi et te convaincre de rebrousser chemin. Oh oui, pathos, quand tu nous tiens. À une lettre près, juste un P de trop, tu portes presque le nom d'un mousquetaire célèbre, ou celui d'un mythologique géant grec, parrain d'une montagne née d'un imprès silencé de cailloux sur Poséidon. Alors qu'en vérité, pathos, je te le dis, tu n'es qu'un tragique bouffon, suceur de cerf-volant, faucheur de marguerite. Bouffeur de tête, alouette, je n'ai pu te plumer, alors je disparais. Je t'oublie. J'oublie cette jeune femme qui fut ma dulcinée, ma promise mytho, bien plus mâne que logique. Je la vois s'envoler au loin derrière les ailes d'un moulin vers lequel je reviens, pour ne plus en partir, et je lui dis « Non, je ne lui dis rien. Je raye, je biffe, je corrige. Ni adieu, ni au revoir, ni bye-bye. » Pas plus d'arrivederci que de Dios mi amor, ni ciao, ni salut, hasta la vista, nada, niente. Rien. Je t'oublie pour toujours et je m'oublie moi-même par la même occasion. Voilà. Je me raye, je me biffe, je me corrige et puis quoi? C'est ainsi, c'est la fin. Désolé, cela n'était que le début pour vous, je sais. Pardon, pardon à ceux qui m'aiment et que j'ai négligé. Pardon, pardon, pardon. Ainsi, la lettre rédigée, l'homme désespéré reposa son stylo et sort une arme à feu du petit sac à dos.